Eh bien, salut tout le monde, ici Sora. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se trouve par live et une vidéo YouTube. Oula, attendez. Je sais où c'est qu'il y avait un problème. Nickel. Donc, pour un live et une vidéo YouTube donc sur Gravity Rush. Donc, je vous rappelle que je les tiens à peu près tous les deux jours. Donc, tout ce qui est quête annexe et chasse au trésor. Oui, j'ai encore moins de voix qu'avant. Hein. Ça, c'est pas un secret, ça s'entend. Voilà, depuis vendredi, sachant qu'hier en plus vous étiez 30. Oula, oulala. C'est toi. Il faut savoir qu'en plus, on était 30. Oula, attends, je travaille avec une pub là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula, d'accord. C'est la pub de vous, tu as pété un plomb. Bon. Voilà, donc pour ceux qui savent, vendredi j'ai tourné un live sur ce mode et j'ai gueulé, ça m'avait détruit ma voix. Il faut savoir qu'en plus de ça, hier j'ai fait un live qui a attiré énormément de monde. D'ailleurs, je vous en remercie encore d'avoir été aussi nombreux, ça m'a fait très plaisir. Être pas loin des 32 viewers, ça m'a fait extrêmement plaisir. Mais hier, comme vous le savez, on a gueulé et j'ai encore moins de voix qu'avant, c'est. Je souffre. Et en plus de ça, je suis enrhumé. J'ai chopé un rhume durant la nuit sûrement, ou durant hier dans la journée, je sais pas. Mais là, sincèrement, je suis au bout de ma vie. Bah les go. Voilà, je meurs. Je décède. Je n'en peux plus. Ah là là. Bon. Bon, bon, bon. Je sais pas quelle quête annexe faire, je suis pas du tout préparé avant. Du coup, on va voir ça. Putain, mais rien que de parler, ça me détruit la voix, quoi. Ça me détruit la gorge. Il y a le chien qui fait n'importe quoi. C'est surtout que je suis au bout de ma vie. Oula. C'est surtout que je suis au bout de ma vie, parce que là, je pense que c'est surtout. Ah oui. Changer de costume, je vais reprendre. Hop. Voilà. Qu'est-ce qui... Attendez, parce que j'ai... Yo, qui vient pas ici, moi ça me va. Donc... Hop. Donc, quête annexe, go. Pligène... si, bon, c'était de la Pligène, je crois. C'est ça, oui. Hop. Ah. Salut. Salut, salut. Hop. Parce que oui, tu as juste de commencer. Bon allez. Ah oui, tiens, d'ailleurs, il y a une mise à jour, j'ai oublié de regarder les nouveautés qu'il y avait. Faudrait que je regarde. Je vais regarder ça de suite. T'as pas dit, je sais que je vais pas du tout être énergique durant cet épisode. Ça va être excellent. On va s'éclater. Hop. Les nouvelles. Major DLC, ça on s'en fout. Non, y'a rien de. Y'a rien de nouveau. Ok. Art itinérant. Ok. Itinérant pas en enfer. S'il te plaît, je dois être le premier à le trouver. Enfin, à la trouver. D'accord. Je suis la prédiction de Pandore. Enfin, suis la prédiction de Pandore, pardon. Et tu trouveras ce que tu cherches. Ok. Je ne comprends pas un seul mot de ce qui est écrit ici. Salut Aki, tu as des amis? C'est ton papy, cette gravissienne va t'aider à trouver ce que tu recherches. Je vais l'aider. Oh, encore. Oh là là. Maintenant c'est une guide. Putain, elle a fait tous les métiers du monde, Kata. Avant elle était espionne. Non mais pas non. L'épisode d'avant.
Elle était serveuse dans un barman pour éviter que les gens boivent. Maintenant, elle est guide touristique. C'est impressionnant. Tu n'avais pas encore remboursé en entier pour ce qui s'est passé avec cette boutique. Bonjour. Je ne voudrais pas que l'argent se mette en travers de notre amitié. Wow, l'excuse. Je cherche la fresque d'un certain artiste. J'ai entendu qu'elle était. Ouh là, pardon. J'ai entendu qu'elle était au centre-ville, mais personne n'a jamais pu la retrouver. J'ai pensé que cette liseuse de bonne aventure pourrait m'aider. Oui, il est prêt. Mais ces prédictions n'ont aucun sens. Non, c'est toujours comme ça au départ. Quatre. Car notre client est pressé. Pourrais-tu l'aider tout de suite? Quelque chose, je dis que je vais regretter cette dette envers à qui? Bah, tu vois, à chaque fois que tu as une dette envers elle, ça se passe mal. À chaque fois. Ok, oui, là-dessus, y a pas, t'as pas de doute à avoir. Ça va mal se passer. Hop. Ah, c'est cool ça. Bien, je suis en centre-ville maintenant. Voyons voir ce que la prédiction de Pandore raconte. Une boucle de poils errante. Ah, une boule de poils errante. D'accord. Un retour difficile. Un choc depuis les cieux. Un bateau en voyage et le temps qui passe. Déjà, une boule de poils, faudrait que tu sois. Faudrait genre que ce soit un chien, mais en général, il n'y a que des chiens, j'ai pas spécialement envie de chat dans le jeu. Là, ça n'a pas aidé à grand chose, comme d'habitude. D'abord, une boule de poils errante. Chien, oui, bah voilà. Non, mais c'est pas le chien qui traîne. Je crois que ce chien, il me semblait l'avoir vu quand j'avais fait l'histoire. Attends, tu notes la boule de poils et la prédiction. Hop. Sniff. Non, t'es 7 heures tard, ils sont pas 2, ils sont 9. D'ailleurs, salut tout le monde, salut tout le gunner. Je devrais bien m'arrêter ici. Oui, je sais faire quoi. Il semble que ce chat est un vagabond. Et ce prêt. Oula, j'ai pas eu le temps de lire. En fait, on va l'habiller. 11 joueurs, salut tout le monde. Quelque chose doit sortir bon. Oula, eh oh, calme-toi. Salut tout le monde, alors si vous faites partie du live d'hier, oui, j'ai encore moins de voix qu'hier. Je souffre. Je souffre complètement. N'hésite pas à retourner à tes occupations dès que tu seras prêt. Quoi? Mais je comprends rien de ce qu'il faut faire en fait. J'aime ou les. Il est tardu ou non? C'est vraiment un bug. Par contre, il faut faire quoi là en fait? Le chien est prêt à vagabonder à nouveau. Le chien est capté de piste. Par contre, j'ai ma manette qui fait de la merde. Du coup, j'ai 4 qui se déplacent toute seule vers la gauche. C'est chiant. Les poubelles. Ok, je me demande que les vendeurs ce chien apprécie. Oui, c'est. Si tu veux. Stiff, stiff. Tu peux arrêter de me renifler pendant une seconde? Kat va s'énerver contre un chien. Je me souviens plus la deuxième. Si, c'est un retour difficile, je crois, la deuxième prédiction. Ensuite, c'est choc. Dans les cieux ou choc entre les cieux, je crois. J'ai l'impression que ce chien est prêt à vagabonder. Ah d'accord, donc il faut que je m'éloigne pour qu'il puisse repartir, d'accord. Oh, viewer, c'est bien PSL. T'es légèrement en retard par rapport à la prédiction Twitch, mais c'est pas grave. Enfin, la prédiction, là, par rapport à ce qu'il m'affiche Twitch. Peut-être qu'un autre chien est passé par là. Retour difficile encore, ça m'intrigue pas trop, mais choc entre les cieux. Où vas-tu, petite boule de poils? Je savais que le choc entre les cieux, cette prédiction m'intrigue énormément. Bon, pourquoi tu te dépêches ou
Il y a une hélice, ah oui d'accord. Bah oui, je pourrais utiliser le style Jupiter et la glisse gravitationnelle, mais bon. C'est bon. C'est bon. Attends, je crois que t'as perdu le chien. On va donc plus passer ce chien. Oui, c'est ce que... Ah, on entend un robot. Bah, clairement, moi, il a pu passer par ici. Bah voilà. Parce que je l'ai pas vu passer devant les dévis, donc il était forcément par là. Ouf, ouf. Ah, bah d'accord. 4 qui aboie, putain, j'aurais voulu entendre ça. Attends, par contre. Hop, voilà. Qu'est-ce qui ne va pas, petit chien? Tu veux une sucrerie? J'avais oublié que c'était dans ma poche. Les chiens ont vraiment un bon sens de l'odorat. C'est ton chien? Le mien? Non, j'étais juste en train de le suivre parce qu'il est mignon. Bon, il est mignon. Je vois, je vois. Ah, comme ça, j'aimerais... Ah, comme j'aimerais être jeune et chasser des trucs mignons. Oh là là. Oh, attendez, j'ai un appel. Un 04. On va voir ce que c'est. Allô? Oui? Comment? Ouais. J'ai pas commandé de nettoyeur, désolé. Hop, c'est réglé. Truc qui m'appelle, ouais, Bricorama, c'est tout, elle a reçu votre nettoyeur. Non, j'ai pas commandé de nettoyeur, non. Ça va pas. Excuse-moi, tu veux bien me dire où nous sommes? Ah, en plus en plein stream, le mec, putain, il... C'est bizarre, ça me dérange en plein stream. Je suis venu ici toute seule et j'étais prête à rentrer chez moi. Mais je ne suis pas habitué à ces rues, je crois que je suis perdu. Ah, retour difficile, putain, on va devoir guider la vieille chez elle. Oh, je meurs. En plus, j'ai fait tomber mon porte-monnaie quelque part. Oh la vache. Ça doit être ce retour difficile. Non mais, rappelle pas. Rappelle pas, ça sert à rien de rappeler. Vous voulez que je vous aide à rentrer chez vous? En plus, ce mec, il avait pas une voix française. Enfin, il parlait français, mais il avait un accent... genre arabe ou une bêtise comme ça, donc pour moi ça pue le canular. Tu ferais ça pour moi? Tu veux une sucrerie? Oh non merci, je n'ai pas faim. Ok, revenons sur notre repas. Oh la vache, revenons sur le repas. En procédant ainsi, on trouvera peut-être le porte-monnaie. Et allez, soit vider. Elle sait plus par où elle est passée. Je me souviens d'être passé par ces escaliers. Putain, il faut que je crée un jeu d'impression. Un jeu d'impression, ça va arriver. De quoi que tu te vieilles? Si quelque chose semble familier, prévenez-moi. Oh. Putain, tu veux lui bousiller le dos comme ça? Pas de 4, ça sert à salut les 13 viewers. Les escaliers. Ah, les escaliers là-bas là. Oh putain, la vieille, je promets. J'arrive où la vieille va se cogner contre le sol. C'est pour ça qu'on peut la balancer. Non, on peut pas la balancer, putain, c'est pas drôle. Ah, pardon. Putain, le bruit, c'est bien entendu en plus, hein. Je pense que je suis arrivé de plus bas. Ça s'est bien entendu le bruit, hein. T'as quand tu s'es cogné contre le marge, il a pensé d'un coup. Mais t'as fini, oui? T'as fini de te casser, la vieille? Je me rappelle. C'est pour ça, mais c'est quand même partout. Oula, où est-ce qu'il nous emmène? Pourquoi choc entre les deux? Enfin, choc entre les cieux. C'est surtout celui qui m'a pris le plus. Oui, papa, j'ai dû arriver par ce tunnel. Putain, le robot, il peut pas nous aider là? Ah. Je me rappelle passer par ce chemin. Ouais. Bien ou pas être son porte-monnaie?
Alors ça se prouve, et elle nous emmène même pas là où il y a son porte-monnaie en fait. Ok putain. La vieille elle traverse l'écran à une vitesse quoi. C'est con que son cœur n'est pas encore lâché. Enfin je dis ça mais normalement oui. Pour une personne âgée, il faut éviter les sensations fortes et. Bah là, rien que ça déjà, rien que ce qu'on voit là, normalement elle devra déjà capter. On va déjà passer l'arme à gauche. Mais je me rappelle pas de cette rue, nous devrions rebrousser chemin. Putain mais fais chier la vieille. Mais dis contrat qu'elle nous amène quelque part. Bah logiquement c'est par là, parce que de l'autre côté ça nous reviendra directement ici. Mais qu'est-ce qui se passe avec les trucs là? C'est quoi leur problème? Ah bon, d'accord, il y a des trucs qui volent autour. C'est la bonne direction. Bah oui, c'est la bonne direction, c'était logique. Je suis arrivé par ce chemin. D'accord, bon bah go, on y va. Putain, mais elle nous emmène à la gare là en plus. Je vais voir son porte-monnaie, il part. Non, mais sur un certain, je suis venu d'un peu plus loin. Mais c'est quoi tout ça? Et je suis le seul que ça choque que tout vole comme ça dans la rue? En plus, c'est que des déchets, là, ce que je vois. Bah oui, c'est que des déchets. Pourquoi il y a que des déchets qui volent comme ça? À la gare. Tu sais, tu m'aurais dit de tomber à la gare, ça aurait été beaucoup plus rapide. Je me souviens, je suis arrivé en train, c'était ma gare. A toujours pas de traces de porte-monnaie. Vous vous rappelez avoir fait les magasins? Non, mais j'ai mangé ici. Les frites étaient délicieuses. Putain, il veut le diabète. Non, le diabète. Non, le diabète, c'est le sucre, je crois. Oui, c'est le sucre, le diabète. Le cholestérol, voilà, chercher. Maintenant que vous le dites, c'est vrai que ça sent bon. Ah, oh, c'est l'endroit. C'est juste là, d'accord. Il y avait les volets qui cognent entre eux, c'est. Ça fait un petit peu flipper quand même. Je pourrais commencer par demander à ce commerçant. Putain, mais la fille qui s'est pris le toit maintenant. C'est n'importe quoi. Non, mais je suis désolé, je reviens dans 5 minutes. Je sais pas si ça va s'entendre, mais j'espère pas en tout cas. Voilà. Retour monde. Désolé, j'ai pas pu vous faire la lecture. Mais moi j'ai lu en tout cas. Vous avez eu de la chance cette fois-ci, mais faites attention la prochaine fois. Merci jeune homme. Je suis tellement heureuse de l'avoir retrouvé. Merci infiniment pour ton aide jeune fille. Je devrais pouvoir prendre mon train et rentrer chez moi maintenant. Ok, faites bon voyage. Mais où sont mes manières? Tiens, voilà une sucrerie. Oh non, ce n'est pas nécessaire, faites attention en rentrant à la maison. D'ailleurs il est devenu quoi le chien? Quelque chose me dit que ces sucreries sont un peu périmées. D'accord. Très bien, prédiction suivante. Choc entre les cieux. Ah, choc depuis les cieux, pardon. Ah. D'accord. Oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Qu'est-ce qui se passe? Je dois sortir ce bateau. Mais les tuyaux sont bouchés et le moteur ne veut pas démarrer. Oh, mais dis pas que maintenant qu'elle doit devenir mécanicienne. Normalement, un bout bien placé devrait aider à le démarrer. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas bonjour aujourd'hui. Peut-être qu'en le frappant très fort depuis une hauteur. Depuis la hauteur, c'est ça. Comme un choc depuis les cieux, peut-être. Je m'en occupe. T'as maintenant qu'elle est mécanicienne, quoi. Enfin, ça façon de réparer les voitures, enfin les mécaniques. Vous pensez qu'on peut péter? On va essayer. Je suis un petit peu enflammé. Ouais, on sait que Kat est une piètre mécanicienne. Ah.
C'est le moteur et la user action depuis les cieux. D'accord. Pourquoi quand on tombe dessus ça marche? Pas du tout. Bon bah écoute, on va recommencer hein. Allume le. Ouais, ça fait que je veux pas, mais. J'ai une petite partie moi avec le micro en hein, style Jupiter. Ah, ça a marché. C'est réparé, merci mademoiselle. Contente de pouvoir aider. Non, mais attendez. Elle est mécanicienne maintenant, mais c'est n'importe quoi. Désolé, je suis un peu pressé, mais merci encore. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est comme ça aussi qu'elle a réparé les télés. Hein. Et qu'elle est partie voir un agent disant que justement, l'agent disait que c'était du vandalisme. Parce que justement, elle touchait la télé avec la tête du maire. Très ouvert. Salut tout le monde. Mais Kat a dit que non, elle a réparé les télés en frappant dessus. C'était complètement con. Très bien, la prédiction suivante est. Un bateau en voyage. Mais la réglisseur de cet homme. Donc, faut le suivre. Hop, allez go. Vous pensez qu'il va repérer? Pas la dernière prédiction est à propos du temps qui passe. Bah donc Emmanuel, il va falloir regarder la ville pour savoir. Je me demande ce que ça peut vouloir dire. En plus on est avant deux centres là. Le temps qui passe, le temps qui passe. Bah ouais mais une statue. C'est quoi qu'il cherchait déjà le mec? C'est une statue. Je sais plus ce qu'il cherchait le mec. Je ne comprends pas. Oui, poussière. Calme-toi par contre. S'il te plaît. Ouh la vache. Je crois qu'il allait rentrer dedans. Je suis devant le beffroi. Mais j'aime bien 4 comme ça, avec la tenue de PSO2. Je trouve que ça lui va bien. Ils ont bien fait leur truc. Jusqu'où peut donc aller cet interrogateur? Je trouve qu'il a tenu de PSO2, il va bien à 4. Bon, malgré le fait qu'on va complètement à la culotte et que ça, c'est typique de PSO2. Le temps qui passe, ça doit être. La prédiction parle de l'horloge du beffroi. Oui, aussi. C'est vrai que doit être la fresque. Là, attends. Merci. Vous pensez que si je tape dessus, ça va marcher? Je fais un son. Ah bah nickel! Je savais pas si c'était possible de faire ça dans le premier grand tirage. Par contre, le fait qu'il fallait deux sonneries, pardon. Ça, j'y crois pas spécialement. On va arrêter d'utiliser la gravité. Hop, voilà. Et hop. Il n'y a rien de hauteur. Il n'est pas qu'il faut les tourner. On sait que ça fait quelque chose, ça tape dessus. Ça va aller. On dirait 4 dans sa tenue d'infirmière. Ah non, vu les cheveux, non, c'est pas 4 ça. D'accord, après on a vu quelqu'un d'autre se battre, on sait pas qui c'est. Ok! Bon, si vous faire le tour du beffroi, bah écoute, on va faire le tour du beffroi. Hein. On va faire le tour du beffroi, on n'a pas le choix. Ils ont des antennes ici! Putain, ils sont super bien faits! Oui, je m'arrête sur les détails du jeu parce que là je peux un petit peu me le permettre, pardon, c'est très dur à dire. Ouais, du coup. Hop. Ah.
Là, je décède littéralement, mais c'est stylable. Je le vois là sur la façade avant. Oui, bah, bah là, lui, oui, il faut aller derrière. Hop. Oui, je sais que tu vas arriver en retard. Hop. Oh putain, tu peux pas le dire avant ça, 4. Ouais, mais je dois faire quoi? Bah, c'était une bonne question. Ah! Ah ah! Qu'est-ce que c'est? C'est sûrement ça. Mais par contre, ça va que tu t'alignes devant en fait. Tu peux. Putain, il y aura une explosion atomique. Mais à l'envers. Hop. Je t'en prends une droite quand même. Mais t'es là, il n'y a plus qu'à retrouver voir le client. Bah, c'est sûr que le client, déjà, n'aurait jamais pu monter jusqu'ici. Clairement. Hop, donc, salut tout le monde. Enfin, ça se prouve, vous êtes toujours là. Mais j'ai vu que c'est passé de 11 à 12, donc salut à toi le viewer. On va faire comme ça. Oula. Attends, calme-toi, 4, s'il te plaît. Attends, 5 secondes, merci. Du coup, désolé pour l'atteinte, pardon, j'ai trouvé la fresque. Ce n'est pas le genre de tableau qu'on peut transporter, alors j'ai pris une photo. Ça doit être la dernière œuvre de Sagashi. Sagashi. D'accord. Qui aurait cru que les prédictions visaient juste. Pandora prononce toujours des paroles de vérité. Ouais, mais c'est toujours flou, tes trucs. Désolé d'avoir douté de toi, Pandora. J'espère que ça ne vous dérange pas que je pose la question, mais pourquoi cherchez-vous cette fresque? Il y a quelque chose de spécial? C'est le peintre qui est spécial. En tout cas, le Sagashi. Ou Sagashi, je sais pas comment ça se dit, Sagashi. Est un artiste mystérieux et itinérant. D'accord, il utilise la ville comme sa toile et pas les secrets les plus profonds et sombres du monde. Ses admirateurs essaient toujours de trouver ses œuvres. Il existe une règle non écrite qui dit que le premier qui en trouve une la possède. Il dirait c'est comme si tu as ce trésor. Bah du coup, merci beaucoup de m'avoir aidé à la trouver et la revendiquer. Bah du coup. Techniquement, c'est moi qui l'ai trouvé. Hein. Je vais aller me vanter devant mes amis. Voilà pour tes amis. Reviens quand tu veux. Kat, savais-tu que les peintures de Sagashi se vendent pour une petite fortune? Ah bon, mais pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Désormais, je vais faire attention si j'en vois d'autres. La vignette est à l'heure, oui. C'est tout à fait vrai ce qu'il dit pendant. Si j'en vois d'autres, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui se cachent. De l'univers. Je sais que dans le premier Gravity Rush. Bah voilà. Si. Dézoomé, collection. Ah donc la chasse au trésor c'était une fresque. Ah ouais, d'accord. Ah putain, c'est excellent ça. Parce que du coup, dans le premier Gravity Rush, je vous rappelle qu'on devait chercher des fantômes. Je crois qu'il y avait 16... Non, 12 fantômes. 12 ou 16, je sais plus. Fantômes qui vont raconter l'histoire du pilier, justement. Et du temps, enfin l'histoire du pilier avec l'histoire du temps qui se trame autour du pilier. Et là, il faut chercher les fresques. Alors peut-être qu'il y aura quelque chose à trouver. Objet de collection ou découvert. Parce qu'en plus, il y en aurait d'autres. Ah, mais c'est intéressant ça! Mais c'est tout à fait intéressant! Ah, du coup, ça me donne envie de continuer un petit peu plus ce jeu. Ah, attends, il y a une quête! Oh. Couler mes larmes, Dylan. Oula! Bah, cette quête, rien que pour le don, je la ferai quand même dans 2 jours parce que je tiens. Gravity Rush, j'ai essayé de le tenir tous les 2 jours.
Donc là pour l'instant je vais arrêter YouTube pour l'instant, mais on va reprendre juste derrière pour justement les chasses au trésor. J'ai beaucoup justement de ma phrase ça. Donc voilà. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir. Et je te dis à tout de suite pour la chasse au trésor. A tout de suite YouTube.